donc tu tapes toujours ici, toi, en fait. Dounia, tu vas bosser sur le plateau, là? Ouais, Régis est malade. C'est moi ton assistante réelle aujourd'hui. Après, t'inquiète pas, il va revenir, hein. Tu me verras plus. Mais moi, bon, en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. Ok, ce moment est gênant. T'es prêt? Oui, oui, je termine juste ça, j'arrive. Ok, dépêche-toi. Vous êtes comment sur le make-up, là? Parce que nous, on est prêts. Je peux me faire équiper et te parler en même temps. Faire les deux choses en même temps. Oh, oh, oh. Fais attention à toi. Non, attends, tu te crois où là? Je ne bouge pas. Chris, qu'est-ce que tu nous fais là? Calme-toi. Chris. Bon, écoutez, ça va être très simple, tout le monde me connaît ici. Je suis tout sauf méchant et je veux buter personne, alors on va faire comme tous les jours. Vous, vous allez lancer le JT comme si de rien n'était. Et moi, je vais passer un message en direct, tout simplement. Ce serait quand même dommage que quelqu'un se prenne une balle bêtement, non? Oui, là, ça serait dommage, là. Toi, tu fais ce que je te dis. Je fais ce que tu. J'ai rien fait. Chris, tu fais quoi là? Eh, tu sais quoi, je me bouge le cul, justement. C'est pas ton concept préféré, ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais c'est quoi ce délire, là? Lance l'émission, toi! Mais c'est qui, ce gars-là? C'est notre ingé son, madame. Chris, non, mais... c'est Chris. Bouge pas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Je veux juste passer un message. Allez, on se mine, là! Et c'est quoi, votre message? Si notre gouvernement, notre monde ne prend pas des mesures drastiques, notre civilisation court à sa perte. Vous êtes tous complices de ça, là. Vous me dégoûtez! Ah ouais, donc on est sur un message écolo, c'est hyper original. Hé, assieds-toi, ça va, je m'assois. Tu fais juste ce que je te dis. Je fais ce que tu dis. Tais-toi. Bon, déjà, si on veut trouver une solution, je propose qu'on arrête de le prendre de haut. Attends, le mec me braque, je le vois. Tu te tais! Ok, ok, ça va, ça va. Chris, écoute-moi, je suis d'accord avec toi. Mais tu penses pas que le monde serait mieux sans nous? Quoi? La Terre, elle a quoi, 4 milliards et demi d'années? Et nous, en à peine un siècle d'industrialisation, on a tout niqué, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On est tous victimes là-dedans. La planète, elle s'en tirera très bien sans nous, hein? Faut arrêter d'être des enfants. Moi, j'ai arrêté, j'ai jeté ma cape. On n'est pas des super-héros. Moi, j'en peux plus de me sentir démuni face à tout ça, je me dégoûte. Et quitte à avoir envie de mourir tous les jours, autant que ce soit pour le bien commun. Et ouais, Dounia, c'est là où j'en suis dans ma vie maintenant. Bah vas-y, dis-le. Dis-le. Je fais pitié, hein. C'est ça, ma réalité. Donc Catherine, en gros, on n'embauche que des fous ici. Oh, allez, on lance l'émission maintenant. Recule-toi. Aidez-moi, recule. Là, putain. Lancez l'émission. Non. Aidez-moi, putain. Mais laisse-nous le soigner, Chris. Olivier, fais pas le con. Mon fait, il pisse le sang. Mais merde, je lui ai juste tiré dans la jambe, c'est rien, bon, là. Allez, c'est bon, lancez l'émission. Allez, oui, chez vous. Ok, ok, on va y aller, ok. S'il vous plaît, en régie, s'il vous plaît, ok. On va envoyer maintenant. C'est parti, 3, 2, 1, go. Bonjour le monde. Eh oui. Vous êtes en train d'assister à un message pas comme les autres, là. Aujourd'hui, Monsieur Personne a la parole. En exclusivité, pour une fois, vous allez pouvoir avoir une version des news sans réécriture et sans transformation. Nous sommes pareils, au fond, je le sais. Nous vivons sans savoir quoi faire ni comment. Et moi, aujourd'hui, je désespère. Je désespère de voir nos dirigeants participer à l'effondrement de notre civilisation. Et tout ça pour quelques privilèges. On vous parle de réchauffement climatique, on vous parle d'épuisement de ressources, de la crise économique. Et tout ça, c'est votre faute. Ouais. Notre faute? Pourquoi? Ah! Parce qu'on prend des douches trop longues. Parce qu'on met du papier dans la poubelle verte et pas jaune. Et pendant qu'on est là à discuter bien sagement d'écologie pour se donner bonne conscience, il y a 2000 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont pété à l'autre bout du monde, faisant des centaines de morts et des dizaines de blessés. Et si nous étions les prochaines victimes, victimes de notre propre sort? Aujourd'hui, je suis écœuré. Je suis écœuré de ne pouvoir voir un monde dans lequel on prendra soin de son prochain, où le mot exploitation n'existe plus. Alors réveillez-vous, là, réveillez-vous! Parce que derrière nos t-shirts à 40 euros se cachent des esclaves modernes. C'est triste, hein. Mais moi, dans le fond, je l'aime, ce monde. Avec vous, on pourra tout changer. Et ensemble,
Nous ferons honneur à ce que nous sommes et à l'humanité. Bravo les gars. Et stop. C'est bon, on a pu éviter le pire. C'est bon, le message est pas passé? Oui, tous les médias ont été bloqués. Quoi? Parfait. Et le live? Non mais, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Oh, bravo, vous avez été très courageuse. Ah, monsieur. Pardon, mademoiselle.